Salut à tous les amis, on est reparti sur une nouvelle carrière suivie. Alors, sur les carrières précédentes, j'ai dit que j'avais trouvé la map idéale, mais en fait, bah, il y a de plus en plus de maps qui sortent et elles sont vraiment magnifiques. Donc, j'ai décidé de refaire encore des nouvelles carrières suivies pour pouvoir agrandir ma petite chaîne. Là, j'ai retrouvé encore une map avec des super grands champs. Et en plus, elle est magnifique. Donc là, je suis en train d'agrandir encore plus un champ. Parce que on va en avoir besoin. Parce que j'ai prévu de faire pas mal de choses. Et j'ai trouvé aussi une map que je ferai dans les. Que vous verrez dans les prochains. Dans les prochains. Bah, les prochains enregistrements. Une map avec des chevaux. Donc ça va être super génial. Je vais commencer à me faire bien plaisir là, puisque j'ai vraiment trouvé ce qu'il me fallait. Et au fur et à mesure, j'ai des mods qui tombent. Et c'est ce qu'il me faut, parce que j'ai vraiment attendu avant de faire de commencer ce FS15, pardon. J'ai vraiment attendu, et là vraiment j'ai trouvé vraiment ce que j'avais besoin, et je suis vraiment vraiment content. Et en plus, je vous ai trouvé un nouveau Fendt. C'est le 1050 ou le 1050, je sais pas comment on dit. Il est aussi. Par contre, il bug un petit peu. Voilà. Alors, je vais vous montrer ça tout de suite. Alors déjà, l'intérieur, tout fonctionne. Vous avez ça, je sais pas ce que c'est. Attendez. Déjà ça, on va le remettre. Il y a les portes qui s'ouvrent. Les. Bon, je veux dire les trucs sur les côtés, je sais pas comment ça s'appelle. Le carreau arrière. Encore le truc sur le côté. Il y a le toit ouvrant. Et c'est tout. Il y a juste ça. Le joystick qui fonctionne. Donc tout est pas mal. Maintenant, je vais vous montrer l'extérieur. Alors l'extérieur, il est vraiment aussi magnifique. Alors, bon, c'est un Fendt normal là ici. Mais le devant, franchement, le devant, il est magnifique. Donc c'est le Fendt 1050. Par contre, il coûte un peu cher. Il est à 300 000 euros. Donc c'est le Fendt 1050 Vario SCR. Après, je sais pas ce que c'est. Il fait 500 chevaux et franchement, il y a de quoi faire avec ce Fendt-là. Donc allez, on est reparti, je vais agrandir ce champ. Je vais essayer du moins, puisque un petit peu de mal apparemment. Allez, avance. Je vais faire des tranchées comme ça et je vais revenir. Donc voilà, c'est une map assez sympa. Vous voyez comment elle est grande, les champs sont super grands. Et je vais vraiment m'éclater avec cette map, puisque c'est vraiment ce que je recherchais. Et j'en ai trouvé encore d'autres. Avec d'autres grands champs. Et franchement là, je vais pouvoir. Franchement, je vais pouvoir m'éclater. Dites-moi dans les commentaires si ça vous plaît ou pas. Mais personnellement, moi, là je kiffe. Là, je suis super content. Par contre. Bon, je vais faire, je pense que je vais faire l'épisode juste pour faire le champ, pour agrandir le champ. De toute façon, j'ai que ça comme matériel, j'ai tout revendu le reste, c'est pour ça que j'ai autant d'argent. Et je m'achèterai, je vais pas attendre que de me faire de l'argent, je vais tricher un petit peu. Je vais me faire des sous en trichant, en fait, parce que sinon ça va me prendre vraiment beaucoup de temps. Et enfin, j'ai remarqué que les carrières suivies qui prennent beaucoup de temps, ça sert à rien.
Après, je sais pas si vous êtes d'accord ou pas, donc dites-le-moi si vous êtes d'accord dans les commentaires. Comme ça, je verrai. Ça, c'est un peu une vidéo de présentation. Bien sûr, j'essaierai de vous mettre le. Je sais même plus si j'ai le lien de la map. Je sais plus du tout. Je crois pas. Je vais regarder, mais je pense pas. Enfin, j'espère. On verra bien. Si j'ai le lien, je vous le mets. Sinon, bah, il va falloir la retrouver. Oh mince, je m'en rappelle plus. Bon, c'est pas grave. Je vais essayer de me débrouiller pour retrouver le lien. Parce que vraiment, cette map, elle vaut vraiment le coup. Et j'en ai retrouvé encore deux autres. Bon, il y en a une où Jouant dans le Pré utilise. Mais franchement, quand j'ai regardé ces épisodes, bah, j'ai kiffé la map, donc je l'ai téléchargée. Et bah, je vais faire un peu de série dessus pour. Parce que j'aime vraiment cette map. Au niveau des routes, au niveau de tout, elle est pas mal. Les champs sont pas trop grands, pas trop petits. La map est assez grande, donc je vais pouvoir m'éclater. Et ça va me faire. Trois nouvelles maps encore. Bon bah à mon avis je pense que la Texas je vais l'arrêter parce que la Texas il n'y a vraiment rien dedans et c'est pas intéressant. Et par contre lui il bug ici à chaque fois. Bon, c'est pas grave si je déborde puisque après je vais corriger en mettant de l'herbe avec le semoir. Ouais je pense que la Texas je vais enfin à mon avis les trois autres maps je vais les arrêter. Parce que c'est des maps assez basiques. Et franchement, de toute façon, plus ça va aller, plus les maps, ça va devenir genre des présentations de maps. Hein, puisque moi là, je me prépare des maps avec tout ça là. Et au fur et à mesure, je joue avec. Et au fur et à mesure, je me lasse un petit peu. Alors que celles-là, là, je les ai trouvées, elles sont super. Il y a de quoi faire. Il y a le biogaz à côté de la ferme. Il y a tout ce qu'il faut. Et voilà, ça va faire une super voilà, biogaz en haut à droite là. Franchement, je suis super content. Donc, on va voir tout ça et je vais essayer de faire des choses assez sympas encore. Hein. Je vous ai trouvé ce petit fent là, il est super. Enfin, il est super bien. Hein, parce que. Pour l'instant, je viens de l'essayer, je viens de le mettre sur le jeu. Il bug juste par moment, mais il glisse un peu sur le terrain aussi. Mais ça, c'est normal. Hein. Je pense que tous les tracteurs, en plus, il a le mode. Quand on roule dans les champs, là, il a le mode. Je sais plus comment ça s'appelle. Franchement. J'ai kiffé le tracteur. Je suis trop content de ma trouvaille. Ok, alors bah là je vais en avoir pour un petit bout de temps. Bah, c'est le premier champ que je vais agrandir. À mon avis, j'ai pas fait le tour de la map entièrement, mais je vais en agrandir un autre, à mon avis. Un ou deux autres. Bah, ça me permettra de. D'avoir encore plus d'argent bien sûr. À force d'agrandir les champs, j'aurai beaucoup plus d'argent et c'est ce qu'il va falloir comme d'habitude hein. Faire le maximum de production. J'ai rajouté plein de modes là vous voyez en haut à droite pour les animaux et j'ai rajouté pas mal de modes. C'est des modes que j'attendais vraiment et qui sont arrivés. Et ça sort de plus en plus et franchement là ça va être nickel. On va vraiment pouvoir s'éclater sur le jeu. Je pense qu'on va mieux s'éclater, à mon avis, hein, on va mieux s'éclater que sur le 13. Ça c'est un avis personnel. Et je pense qu'il va être beaucoup mieux. Bon, on verra bien hein, suivant comment il va faire. Comment le jeu, les modes, ils vont sortir, mais à mon avis, ça va être génial.
on va pouvoir faire pas mal de choses. Ah, vous voyez comment il glisse le tracteur. Donc voilà, ça va nous faire pas mal de choses. Et on va pouvoir réaliser pas mal de vidéos, on va pouvoir vraiment faire pas mal de choses. Et c'est ça vraiment qu'il faut rechercher dans le jeu. C'est pouvoir s'éclater un maximum tout en travaillant virtuellement. Et ça, c'est vraiment génial. Moi, j'adore. Personnellement, je crois que je suis amoureux de ce jeu. Et franchement, dès que le 13 était sorti, déjà je l'avais acheté et je l'avais laissé tomber puisque je me suis dit ouais, c'est tout le temps la même chose et tout. Mais en fait, après j'ai rejoué et j'ai kiffé. J'ai kiffé de rejouer sur la partie et ça m'a fait trop du bien. Bon, je vais passer comme ça, je sais pas trop si c'est bon. Je ferai des manquants après. Là j'en ai pour un moment à faire ça. Bon, bien sûr je vais encore faire le course play, je vais encore utiliser le course play. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je fasse des petits tutos. Je connais pas encore bien totalement le course play, mais dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je fasse des tutos pour le course play. Ça peut être super intéressant. Et si vous êtes intéressé par ce mode, parce que c'est vraiment génial quand on joue tout seul, franchement c'est super, on gagne du temps, on gagne de tout en fait. Et c'est génial hein, je trouve. J'utilise ce mode depuis qu'il existe hein. J'ai du mal à m'en servir encore un peu. Il y a quelques trucs où j'ai un peu de mal, mais bon, je regarde sur internet, sur YouTube, je trouve des tutos, ils sont assez sympas, donc je me débrouille comme ça. Je crois que la charrue là je la mets à l'envers. Ouais, je crois que je la mets à l'envers, donc du coup il faudrait que je reparte comme ça. En vue intérieure, c'est pas terrible. On voit un petit peu le rétro gauche, il ne fonctionne pas. Bon, il a quelques bugs hein, le tracteur, mais c'est pas grave hein. Il est tellement bien fait que on va le garder. Plus j'ai regardé des vidéos du vrai et franchement ça lui ressemble beaucoup beaucoup. Alors, agrandir les champs c'est un peu chiant quand même.
ça c'est un arrondi, je vais essayer de retourner au droit. Faire un carré. De toute façon, c'est pas grave, comme j'ai dit. Je vais refaire les trucs droits après avec le semoir. J'ai pris large exprès. On va repartir en diagonale comme ça. Non, en fait, ça fait pas bien. Ok, ce que je vais faire, je vais acheter, voilà, vous allez voir comment je vais faire, je vais faire de tout, hein. Je vais un peu tricher sur le, un peu tricher, on va commencer l'ensilage, là il faut une barre de coupe, la barre de coupe elle est là, ok. Ok, on va ramener ça à la ferme. Ok, c'est bon. Puisque de toute façon, on va aller sur le champ. D'à côté. Ok, donc là je vais acheter un tracteur, donc je prends que des mods puisque j'ai téléchargé des bons mods, je vais prendre que des mods toc toc pour transporter, on va prendre que du gros matos et on va rester tiens, on va rester en fent pour l'instant. Ouais, on va rester en fent et on va acheter celui-là. Je vais en prendre deux, pas assez d'argent donc je vais tricher un peu, tac tac tac, ok, et deux bennes. Alors les bennes c'est pareil, j'en ai des pas mal, c'est là et c'est là, allez on va prendre celle ci et celle ci tac, initialiser à la ferme. Voilà. Alors, je vais d'abord lancer ça tranquillement. Est-ce que je vais bien pouvoir l'avoir aussi? Donc là, il est placé comme ça, là. Va traverser des trucs. Il y a des collisions partout. Voilà. C'est bon, ça a accroché.
Et on va directement sur le champ. Alors, c'est lequel? C'est le 2. Alors, on va sur le 2 direct. Donc là, il faut que je fasse un tour. Vous allez voir, la ferme, elle est vraiment aussi... Elle est vraiment magnifique. Ça, je ferai une petite visite de ferme après. Là, je sais pas si je passe. Ah bah si. Nickel. Alors, par contre, là, il y a des chevaux, mais je sais pas vraiment si... Alors, voyez la taille des champs. Ils sont gigantesques. Et c'est bien ce que je recherchais. Et franchement, là, je suis vraiment content. Je suis vraiment content puisque il y a vraiment tout ce qu'il me faut. Et voilà, je suis trop content. Donc ça, c'est lancé. Je vais créer le course play pour ça. Alors c'est pareil, ce fente là, je ne l'ai pas encore essayé, mais il est vraiment beau. Alors j'essaie de prendre des modes les plus beaux possibles, hein, pour vous présenter. Parce que pour jouer, je trouve que c'est mieux de jouer avec des modes parfaits, que de jouer avec des modes où c'est vraiment moche. Alors là, vous voyez, la remorque, elle fait des traces. Mais en profondeur. Enfin, c'est assez bizarre. Vous allez voir après. Toutes les traces, elles sont vraiment bizarres. Donc ce que je vais faire, un course play pour le biogaz. Ouh là, par contre, ça j'aime pas. Un course play pour le silo. Alors par contre, le silo pour les vaches. Je sais pas où il est. Alors attendez. Parce que là. Alors ça, c'est le biogaz. D'accord. Je pense que c'est le même en fait. Là, il y a des chevaux aussi, mais je sais pas trop. Ah, ça doit être là. Ouais, il y a des chevaux. Mais je sais pas trop si. Alors le silo à vache. Enfin, non, et ben voilà, il y en a qu'un, il est là, nickel. Allez, on ressort dans le tracteur, pardon, celui-là, c'est nickel. Donc vous voyez, les traces en profondeur, ça fait vraiment pas mal. J'ai une télé, au fait, j'ai une télé 3D, et je sais pas si vous savez, mais on peut jouer à Farming en 3D et c'est vraiment, franchement, j'ai essayé, c'est vraiment magnifique. On voit tout vraiment en 3D et tout, c'est... Essayez voir, vous allez trop aimer et franchement, trop apprécier. Donc celui-là, on va lui faire faire... On va le faire aller au biogaz. Alors pour ça, alors là, il y a une sortie, j'aurais pas dû commencer comme ça. J'aurais dû commencer dans l'autre sens. Alors, on va faire ça, comme ça. Alors, je prends derrière les arbres et je prends aussi sur l'herbe ici. Tout simplement parce que je vais devoir aussi rétrécir ici au niveau de là. Au niveau de... Peut-être. C'est pas sûr. Mais je pense rétrécir un peu le champ au niveau sur les bords comme les autres, hein, puisque sinon après au niveau du course play ça passe pas terrible. Donc voilà, on commence comme ça, on va y aller doucement par là. Alors pour le biogaz, on va aller par là. Il faut que je fasse attention de faire en fait les trafics des tracteurs dans le même sens. Alors,
Là, il y a des bonhommes. Alors, on va aller ici directement. Tac. On va aller par là. En fait, je vais faire le tour comme ça. Des silos et ça sera bon pour vider. Alors à mon avis il y a de très grosses capacités encore dans ces silos. La sortie, je vais la faire ici en face là. À mon avis, avant qu'ils finissent de remplir tous les silos là, il y en a pour un moment. Par contre, je vais juste aussi faire un truc, je vais acheter un épandeur. Parce que comme ça, si les champs sont pas arrosés, et ben ça sera fait. Donc j'ai trouvé ce mode, il est assez sympa. Le challenger. Oh, il est assez bizarre mais je trouve qu'il est sympa. L'intérieur est super bien fait. De toute façon tous les intérieurs maintenant sont magnifiques. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Ah bah juste on peut ouvrir la porte. Et c'est tout. Ok, donc je vais réinitialiser ça à la ferme. Tac. Il faudra peut-être que je fasse le plein. Alors par contre, pour faire le plein de ça, je sais pas où c'est. On va chercher. Je connais pas la map encore. Hein. Je la découvre avec vous. Je ne la connais pas du tout. Je sais où ça va être. Non, ça va pas être par là. Bon, c'est pas grave. Normalement ça devrait fonctionner. On va essayer, on va voir. On verra bien. Alors on déplie. Elle est vachement grand. Je vais voir si ça passe à la machine. Non, ça passe pas à la machine. Comment on peut pas engager d'ouvrier? Je me suis fait elle tout seul. Tac. XO. B. Ah, il faut le remplir à mon avis. C'est bête, celui-là était mal, pas trop mal. Je me suis fait le tout seul. Trouver. Faut que je le trouve. Pas ça quand même. Non, c'est pas ça. Pas ça non plus.
Ah voilà, c'est là-bas. C'est là. On veut pas remplir. C'est quoi ce bazar hein? Bon, on peut pas remplir ici. Bon, c'est pas grave, je vais le revendre. Si celui-là fonctionne pas, tant pis. J'essaierai de le faire fonctionner sur une autre carrière. On verra bien parce que là pour l'instant je n'ai pas le choix. Donc je vais en acheter un autre. Tant pis. On va acheter. On va acheter ça avec un tracteur. On va prendre celui-là. Celui-là, j'ai déjà pris. J'en ai déjà deux. Alors, on va prendre celui-là. Voilà. Et réinitialiser sur la ferme. Voilà. Donc ça c'est un épandeur Amazon. C'est pareil, il a l'air super joli. On verra comment que. Alors ça c'est pareil, je sais pas si ça fonctionne. Donc, je vais pas arroser directement là. Je vais prendre la partie d'ici. Je sais pas si je peux en prendre des ouvriers en fait. Ah, il est vachement large. Ça va passer. Alors on va faire en sorte que ça passe. Vous avez rien vu bien sûr. Et normalement c'est en train d'arroser tranquillement. On va voir si c'est déjà arrosé. Ça fait vraiment magnifique. Si vous voyez, ok.
Allez, on continue le course play de celui-là. Je crois que les tracteurs ils bug. Je crois qu'ils bougent tout seuls sur la map. Ça, je sais pas. On verra bien. Hop. Faut que je reparte comme ça. J'espère que ça va aller. Et j'ai aussi oublié de mettre un truc très très important, c'est la station essence, puisque sinon on va être un peu dans la merde. Donc la station, je vais la mettre ici. Voilà, on va la mettre là. C'est très bien. Tac. Voilà. Pour l'instant, comme il n'y a qu'un seul tracteur, je peux le faire rouler comme ça. Et on va direction la sortie. Pas beaucoup de frein celui-là. C'est parti. Donc hop, on va lui chercher la moins de balle et on lui démarre la course. Comme il roule que dans la ferme, on va le faire rouler à 20. Et voilà, donc ça normalement il va pas y avoir de problème. Je dis bien normalement. Qu'est-ce qui s'est passé? Il faut bien qu'il y ait des failles là. Où est-ce qu'il s'est perdu lui? J'ai des réglages à faire là. Moi bon, je pense que c'est déjà arrosé. Pas faire ça ou quoi là?
on va faire un course play, tant pis. C'est le champ quoi? C'est le champ 2. Alors. Pourquoi ça fonctionne pas? Bon, je fais une petite ellipse les amis et je règle le problème. Au pire, j'arrête l'épisode ici et je reprends l'épisode après. Après que le problème soit résolu. Donc je vous dis au prochain épisode et ciao, bye bye les amis.